What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. That was the boogeyman. Bon, aujourd'hui, on va passer un peu sur autre chose que de la PC Engine, quand même, hein. On va switcher un petit moment sur de la Mega Drive, parce que sur de la Mega Drive, il y a un peu des bons jeux à base de pfff. Et comme je vous ai dit qu'on allait faire une petite thématique un peu scato, ça me paraît bien, quoi. Bon, là, vous avez reconnu un petit passage de Halloween. Halloween, que j'ai spoilé allègrement à tous les connards qui ne l'auraient pas encore vu, alors que c'est sorti en 78 et que c'est un des meilleurs films d'horreur du monde. Donc, bref, si je vous ai spoilé ce film... Mais bon. Donc... Pourquoi je fais cette petite allusion? C'est parce que oui, bien sûr, Boogeyman, le croque-mitaine en anglais. Bon là, c'est pas vraiment exactement la même chose, c'est le Boogerman, comme on dirait en Alsace. Si le croque-mitaine y ressemble à ça, j'avoue qu'il me fait un peu moins peur que Michael Myers quand même. Hein. Une espèce de mec, un super-héros, mais dont vous allez bientôt découvrir les pouvoirs. Moi, a priori, j'ai plus ou moins les mêmes pouvoirs, hein. Je pense qu'à peu près n'importe qui les a aussi, bon, peut-être pas dans ce genre de proportion, mais... Ah si, y a bien un truc qu'il peut faire, mais et que moi j'y arrive pas encore, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça devrait passer, quoi. Et donc ce jeu, il a une petite subtilité, c'est un jeu qui ne peut pas vraiment être qualifié avec les mots du vocabulaire humain traditionnel. Moi, j'ai envie de dire que c'est un jeu PEW. Et du coup, pour vous expliquer ce qu'est un jeu PEW, il faut que je vous explique ce qu'est un PEW. PEW, c'est un mot que j'ai inventé avec mes frères il y a maintenant des années et des années. Et à la base, ça qualifiait le magnifique rôle de Ron Perlman dans Le Nom de la Rose, Salvatore. Watch out for the draco who cometh in futurum to gnaw your anima. La morte è suprenos. Comme ça, un personnage qui parle en espéranto, enfin pas vraiment en espéranto, il parle un peu toutes les langues du monde en même temps, et il parle de comme ça. On a appelé ça un PEW en référence au PEW initial qui est Pépé le putois, qui en anglais s'appelle Pépé le Pew, avec un le en français dans le texte. Mais donc, nous, quand on était gosses, on lisait Pépé le Pew, et bien sûr, avec sa parodie de Yves Montand et tout, romantique lourdingue, français puant. Pépé le Pew, c'est aussi un personnage. Comme vous aurez constaté, moi aussi je suis un Pew. Mais donc, oui, les Pew sont innombrables, ils dominent le monde et tout. Moi j'ai carrément fait un fan club sur Facebook, le fan club des Pew. Et dessus, on peut trouver tout un tas de personnalités. Bon, certaines que j'ai pas encore référencées, parce que ça fait longtemps que j'ai pas actualisé. Mais actuellement, par exemple, vous avez Donald Pew. Jadis, il y avait Tiki Holga Pew. Michael Berry Pew. Mais tous les Pew sont pas forcément moches, hein. Il y a aussi Jim Carpew. Michel Pew. Madame Sarfa Pew. Bon, les Pew féminins, c'est un peu plus compliqué à trouver, mais il y en a aussi. Par exemple, la nana qui avait dans les Goonies, la méchante, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, elle s'appelle sûrement Pew quelque chose. Il y a Joe Pewski, Roland Mac Pew, des Pew en dessin animé, sûrement. Bon, enfin, bon, il y a toutes sortes de Pew, il y en a partout, quoi. C'est... Une fois que vous avez compris, enfin, que vous connaissez ce mot, vous remarquez qu'en fait, votre monde... Il y a un changement de paradigme, comme ça vous êtes envahi, la réalité change autour de vous et les PEW se dévoilent, quoi. C'est une fois que tu le sais, malheureusement, tu ne peux plus le désavoir. Et alors donc oui, Booger PEW,
Booger Pay, si vous voulez, c'est sorti, sorti en 94, donc la même année, il y avait Earthworm Jim qui est sorti, un peu aussi dans le genre jeu avec du caca partout, délice. L'année d'avant, dans un genre pas du tout caca dans tous les sens, sur Mega Drive, il y avait eu le jeu Aladdin qui était absolument formidable et qui avait en commun avec ça et avec Earthworm Jim le fait que c'était des jeux qui étaient animés de façon absolument superbe. Il y avait des vrais animateurs qui venaient, à mon avis, du dessin animé, quoi. En tout cas, sur Aladdin, c'était le cas, mais sur ça, je pense que c'est le cas aussi, qui donnait une vraie plus-value à ces jeux, parce que ça aurait pu vraiment juste être des grosses daubes. Hein, si ça, franchement, à part l'anime des sprites et tout, ce jeu, ça vole pas très haut. Hein. Bon, il y a aussi un pur concept. Hein, mais bon, bref, c'était une période un peu prout-pouet, cacahuète, grunge, où on pétait un peu sous les bras et des trucs comme ça. Si vous voulez, l'année suivante, il y a eu Comic Zone. Comic Zone, qui est aussi un très très bon jeu, bien animé, bien dessiné et tout, un des plus beaux jeux de la Mega Drive, hein. Bon, qui est incroyablement difficile et ça le rend un peu, ça gâche un peu le truc, mais bon. Il y en avait sûrement d'autres, hein, les jeux genre Clay Fighter, toutes ces choses, c'était des jeux ouais, qui avaient un peu une esthétique MTV, mais MTV du départ, MTV avec... Putain, comment ils s'appellent les deux cons? Je vais avoir des trous de mémoire dans tous les épisodes maintenant. MTV, Beavis and Butthead, MTV, Ion Flux, MTV, voilà, tous les petits jingles un peu crado, bizarre, punk, anar, quand la chaîne n'était pas encore un nid à connard MTV, voilà, j'utilise les mots dans les deux sens, quoi. Un nid à connard avec du vocodeur, quoi. Qui chante que du R&B et le reste de la musique ça n'existe pas, enfin bon. Et donc oui, quand Boogerman est sorti, moi je sais plus à quelle occasion je l'avais commandé en cadeau, genre peut-être un cadeau d'anniversaire, oh joie. Je me souviens que, je sais pas pourquoi, hein, mon grand frère à cette époque, il avait un ami à lui dont le petit frère avait acheté une espèce de grosse bouse et faisait semblant de l'apprécier pour pas montrer qu'il avait gâché du pognon. Oh, j'adore ce jeu, oh. Le grand frère de ce type avait dit à mon grand frère à moi, ouais, mon frangin, il est trop nul, il a acheté un jeu, il l'aime même pas. Et mon frère, je pense qu'il avait dû répondre un truc genre « Ouais, mes frangins, ils font exactement la même chose. Salut, mon frère. » Mais il avait pas dû savoir quoi lui donner comme exemple, alors que moi, j'en vois tout plein, effectivement. Mais quand il avait vu Boogerman, il s'était dit « Ah, ça, c'est sûrement un jeu de ce genre. » Et moi, j'avais dit « Bah non, absolument pas. Boogerman, c'est génial. » Et il avait pas voulu me croire. Puis au bout d'un moment, il a enfin pu y jouer. Il a foutu les mains dessus et il a découvert le pire concept de Boogerman. Pourtant, Dieu sait qu'il aurait dû confirmer le truc. Chut, ce sera un mystère de l'histoire. Chut. Ega! Ega! Voilà, genre Interplay, ils ont produit genre Another World, et à côté, ils ont fait ça, quoi. Encore les blagues, la blague des chiottes. J'adore les chiottes. Bon, on va passer le scénar, hein. Flatulent Swamps. Alors oui, bon, première action. Boogerman, il creuse dans des tas de merde. Et il trouve des machins, des bouchottes. Il y a des pustules pleines de pu sur le sol. Des armes avec des têtes de cons, des capes... qui font rien. Ah si, c'est des points de vie, en fait. Et donc, le concept, c'est en haut, on peut voir, là, il y a une barre de morve et une barre de raw. Donc voilà, tu peux lancer des crudney. Et tu peux aussi... Tu peux en faire des petits aussi, si t'as envie. Et donc, si tu mets bas, c'est un peu comme dans Kato et Ken. Ça, c'est du bon jeu. Faut recharger son gaz un peu parfois. Ah, la musique, elle déchire, hein. Et alors, le concept de... C'est vraiment qu'ils ont fait des belles animes toutes fluides, comme ça. Bon, pas celle-là, par exemple. Passage secret. Donc,
qu'ils ont engagé des mecs pour faire des animes comme ça, un peu stylés, pour un jeu où les types, ce qu'ils voulaient, c'était faire un jeu avec du caca partout, de la morve. Checkpoint, un truc habituel, c'est des gogs. Creuser un peu dans la merde. Donc voilà, moi, le truc que je sais pas encore faire... Comment on fait déjà ? Quand t'as un piment, tu peux allumer tes proutes, voler, quoi. Et donc oui, comme je vous disais, quand mon grand frère il a vu ça, et il a bien changé d'avis, il s'est dit « Putain, excellent, ça c'est un jeu, c'est pas de la merde, ils font pas semblant d'aimer ça. Hein. » J'aimerais tellement qu'il y ait une suite. Putain, quand tu mets le gaz, ça consomme du gaz. Putain, mais vraiment... Ce qui est bien, c'est que le jeu, il l'avait aussi testé sur Canal J à l'époque, et ils avaient kiffé en plus, hein. Alors je me souviens, je sais plus comment il s'appelait le présentateur de Canal J, mais bon... Le mec, il essayait régulièrement de présenter des trucs vraiment un peu pour les gosses. Et le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait rien pour les gosses, il n'y avait que des saloperies tout le temps partout, du Mortal Kombat, des Earthworm Jim, ce genre de merde là. Et du coup, au bout d'un moment, il en avait plus rien à foutre et il s'est mis à présenter les jeux qui sortaient. Et puis voilà quoi, genre juste pas les pires, mais. Mais ouais, donc sur Canal J. Papa, maman, je vais regarder Canal J. Ah, c'est bizarre ce qui t'arrive là. Putain, ouais, avec le piment, on peut roter et péter du feu aussi. Oh merde. Bon, allez, on va juste vider le gaz là pour vous faire plaisir. Si c'est pas beau ça. Tu vois, un jeu comme ça, moi je pense qu'il n'y a même pas besoin de créer des stages, des niveaux et tout. Tu fais juste un mec qui peut lancer ses crottes de nez et tout. Ah mais attends, c'est GTA ça. Ah non, mais il n'y a pas de crottes de nez dans GTA. Ah, c'est dommage. Ah bah c'est un truc qu'ils doivent faire dans le prochain. Allez, salut. Qu'est-ce que tu fais ?